à la distance de 30 cm devant une lentille biconcave de distance focale 15 cm, se trouve un objet haut de 5 cm. Question: à quelle distance de la lentille se trouve l'image et quelle est sa hauteur? Voici les données. La distance P entre le centre C de la lentille et l'objet AB vaut 30 cm. La distance focale F de la lentille vaut 15 cm. Et la hauteur H de l'objet AB vaut 5 cm. Le tout est dessiné à l'échelle. Ce qui est demandé, ce sont la distance P' entre le centre de la lentille et l'image, ainsi que la hauteur H' de cette image. Nous exprimons ces deux grandeurs en centimètres. Le rayon parallèle issu du point B est réfracté de façon que le prolongement de ce rayon réfracté passe par le foyer F1. Le rayon central issu du point B n'est pas dévié. Là où ce rayon central coupe ce prolongement, c'est là que se trouve l'image A' B'. Ces deux triangles ABC et A' B' C sont semblables. Donc, on peut en déduire que, par exemple, petit sur grand égale petit sur grand. Donc, petit h' sur grand h égale petit, la distance entre a' et c, c'est le nombre p', donc p' sur grand. Et ce grand côté, la distance entre A et C, ça c'est la distance P. Dans cette équation, nous remplaçons H et P par les valeurs connues. Nous pouvons multiplier les deux côtés de cette équation par 5. Ainsi, nous obtenons cette équation-là. En mettant le 6 de l'autre côté où il va multiplier, l'équation se transforme en celle-là et, par habitude, on met encore le P' de l'autre côté du signe d'égalité. Ainsi, nous obtenons cette équation-là, équation contenant les deux inconnus P' et H'. Retenons cette équation ici. Voilà, c'est fait. Maintenant, il nous faudrait une deuxième équation contenant ces deux inconnus. Pour cela, nous considérons ces deux triangles CD F1 et A' B' F1. Ces deux triangles sont semblables, dont on peut déduire par exemple que petit sur grand égale petit sur grand. Donc, petit H' sur grand. La distance entre D et C, c'est H, donc H' sur H égale petit, la distance entre F1 et A', c'est la distance entre C et F1, c'est-à-dire petit f, moins la distance entre C et A', c'est-à-dire P'. Donc f moins P' sur le grand côté. Et la distance entre F1 et C, ça, c'est la distance focale F de la lentille. Dans cette équation, nous remplaçons H et F par les valeurs connues. Ainsi, nous obtenons cette équation-là. On peut multiplier de suite des deux côtés par 5. Ainsi, nous obtenons cette équation-là. Nous mettons encore le 3 vers l'autre côté du signe d'égalité où il va multiplier, comme ceci, et par habitude, on met le moins P' encore à gauche du signe d'égalité.
Ainsi, nous obtenons cette équation-là, équation que nous retenons ici, comme ça. Ainsi, nous avons ces deux équations qui forment ce système d'équations qui est très vite résolu à la main. Cette équation-là dit que P' est égal à 6H'. Donc, dans la deuxième équation, on peut remplacer le P' par 6H'. Ainsi, nous obtenons que 9H' est égal à 15, et par conséquent, le H' est égal à 15 neuvièmes, c'est-à-dire 5 tiers. 5 tiers, c'est 1,6 période, donc c'est à peu près 1,67. On aurait aussi pu additionner les deux équations, parce qu'alors le P' disparaît, et cette addition donne de suite 9H' est égal à 15, ce qui mène également vers 5 tiers pour H'. Et comme le P' est égal à 6H', le P', c'est le 6 huple de 5 tiers. Donc, c'est 30 tiers, c'est-à-dire 10. Ainsi, nous avons obtenu que la hauteur H' de l'image vaut à peu près 1,67 cm, et la distance P' entre le centre de la lentille et l'image vaut 10 cm. Ces deux grandeurs sont confirmées par le dessin puisqu'il a été dessiné à l'échelle.